Bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo un tout petit peu en extérieur. Alors des fois il faut m'excuser un tout petit peu au niveau du son. J'espère quand même que ça va aller. Et voilà, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer quand même que dans la vie, alors suite à une grosse réunion que j'ai eue il y a peu de temps derrière, je me suis rendu compte que la vie gentiment nous donne ce qu'on veut. Ça, j'en suis persuadé. Et du coup, à force de faire, de demander, de faire les choses justes, d'y aller surtout, comme je le dis souvent et puis je vais vous répéter, c'est de le faire avec le cœur. Ça veut dire que si vous le faites à bon escient les choses et que vous le faites, on va dire, par justesse en quelque part et non pas par que profit, etc. Étrangement, on va vous donner ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment... on va dire une bonne leçon de vie. Et ce qui m'est arrivé, une petite anecdote avec la personne avec laquelle j'étais, nous sommes partis dîner et tout d'un coup effectivement on se rend compte, enfin il me dit tu vois le parking il est plein ici, je sais qu'il faut pas parquer n'importe où parce que sinon on va se prendre une bûche, etc. Et entre deux je lui dis il faut demander une place de parc, demande et tu recevras. Alors il a souri, on a été un petit peu plus loin et tout d'un coup, ben, cul-de-sac, du coup il a fallu faire demi-tour et en arrivant à la hauteur du restaurant, qu'est-ce qui arrivait? Une voiture partait et on a pu se parquer. C'est là que je lui ai dit gentiment, en rigolant, j'ai dit tu vois, tu demandes, si tu es sûr d'avoir, en quelque part, ben, tu reçois. L'histoire c'est qu'il faut demander sans attendre, ça veut dire quand... en voyant les choses comme si elles sont là. Ça veut dire pas je crois pas, peut-être, etc. Puis commencer à fonctionner avec notre tête, ça c'est l'erreur fatale. Et c'est une jolie petite anecdote parce qu'en quelque part ça nous a fait les deux sourire et on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans le bon plan, que ben, notre apprentissage de vie, nos théories, nos lectures, nos faires, bah, plus on le fait dans le bon sens, étrangement, plus ça fonctionne. Alors je vous encourage vraiment à aller dans ce sens-là, de lâcher prise, de laisser aller les choses comme elles doivent être. Et étrangement, vous allez avoir la vie que vous voulez avoir. Maintenant, si vous y allez que là, en disant « je veux faire, je veux » et puis « je le ferai comme j'ai imaginé, comme ceci, comme cela », en faisant fonctionner votre ego, je vous garantis que là, ça va vous poser des sérieux problèmes. Et quand je vois le nombre de personnes qui ont des soucis, en fin de compte, je me rends compte qu'ils ne sont pas vraiment dans la vie qu'ils veulent. Après, ça demande tout ce fameux changement. Et ce changement, il est super important. Ça veut dire que nous, on ne peut pas, ou je ne peux pas, on va dire, de faire changer quelqu'un. Par contre, je peux vous dire, voilà, si vous changez, les réactions autour de vous changeront. Plus vous serez dans la gratitude, plus les choses changeront, plus vous irez dans le bon sens. Maintenant, si vous y allez dans l'autre sens, quelque part, ben, vous vous rendrez compte que ça ne marchera pas ou qu'il y a plein d'embûches, plein de petits soucis. Et puis, c'est là que la vie, on me dit, ouais, c'est pas facile, oui, etc., etc., parce que ben, c'est vous qui voulez que ça soit comme ça, c'est pas vraiment les autres. Et puis, ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et voilà. Alors, je vous invite à cliquer là pour vous abonner à mes vidéos. Je vous invite à cliquer là pour mettre le fameux pouce du like. Et aujourd'hui, encore, ce temps magnifique hein, qu'on a. C'est pour ça que je remercie, le ciel en quelque part. J'ai une grande gratitude à ce niveau-là de la nature pour dire merci tout le temps en disant ben voilà, aujourd'hui il fait beau, je remercie vous les gens qui êtes là à me regarder, je remercie vos likes, je remercie vos abonnements parce que ben voilà, ça fait plaisir et ça me fait avancer. Voilà, alors je me suis pas présenté au début parce que des fois ben, je me dis est-ce que les gens vont aller jusqu'à la fin. Alors c'est plus une présentation, mais je vous dis qui je suis: Roland Créta, coach de santé, nutrithérapeute, à votre service. À tout bientôt et puis ciao, à bientôt. Bye.